Hey yo tout le monde, c'est Toshikro, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va très bien. On se retrouve pour la partie 2 de The Cursed Forest. On s'est arrêté ici près du feu et on avait aperçu quelque chose dans ces toilettes qui nous avait fait pour le moins très peur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon bah écoutez, on va longer cette petite rivière qui m'a l'air fort sympathique. Je pense qu'en fait il faut la traverser, non? Ah non. Oula, attention, attention, quand l'écran change de couleur, c'est pas bon signe. Eh non, 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 oui, 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 non, 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 ah non, je vais pas aller dans l'eau. Oh non, non, ça c'est pas bon, c'est pas le bon plan ça. What? Quoi, je peux plus bouger. Non, 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 non. Oh, 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 ok baby, ok baby. Tu veux te la jouer avec moi? Tu ne me rattraperas pas? Pourquoi le tronc d'arbre tombe sur moi? Oh non, j'ai plus qu'à courir. Je suis dans la merde, je vais mourir. Vite, 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 je cours, je suis à fond. Je suis à fond, je suis à fond. Je ne peux pas aller plus vite. C'est absolument extraordinaire. C'est absolument extraordinaire et tout s'effondre devant notre gueule. Qu'est-ce qui se passe? C'est 2012 en direct. Je suis sorti d'affaire, c'est bon. Wow. Eh. Putain, c'était vraiment pas mal là. On s'y est cru. Ok les amis, on va... alors attendez, soit on continue allongé par là, soit on va, soit on suit ce chemin. Je vais essayer de continuer par là, il y a peut-être un truc qu'on... à choper. À mon avis, il n'y a rien en fait. À mon avis, il n'y a que dalle. En fait, il y a juste des méchants monstres ici. Donc, ce que je propose, c'est qu'on se tire rapidement de cet endroit. Allez, entrons dans la forêt, dans le cœur de la forêt. Mon cœur saigne là. Oh, tremblement de terre, putain les gars, c'est 2012, oh, what? C'est quoi ça? Oh putain, rocher! Qu'est-ce que je dois faire? Me planquer? Non, je... Attends, attends! Un rocher qui se téléporte? Mais c'est nouveau, ça! Attendez, là... Ok, j'étais presque sûr de mourir écrasé, mais... Je sais pas, on m'a balancé un rocher comme ça, qui ne sert à rien. Oh là, attends, attention. Oh, je passe, s'il vous plaît. J'aimerais avoir un peu de respect. Bordel. Pourquoi je suis venu là, moi? Pourquoi je suis venu là? Oh, attention. On fait gaffe, les amis. Hein. On est sur nos gardes, ok? On est sur nos gardes. Alors, je sais pas comment je fais pour rentrer. Sûrement en sautant, voilà, nickel. Ah, regardez. Regardez ce qu'on a là. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est les côtes. J'ai bien dit les côtes. On va descendre. Je pense qu'il faut aller par là. Ouh. Eh. Après la randonnée, c'est l'escalade, sérieux. Alors, j'ai mon chien qui aboie, je suis désolé. Vous entendrez sûrement. Attention, je veux pas mourir. Merde, je pense pas que... Oh putain, attends. Oh. Ah, merde, cours. Je ne sais pas ce qui est... Ah, ok. Ok, c'était rien. D'accord. Ok, donc on revient ici. Donc je pense que maintenant on a réussi à choper tous les membres. Donc on va pouvoir passer là où on ne pouvait pas passer dans la partie 1. Je sais pas si vous vous en souvenez. En tout cas, T'es où saloperie? Oh là là. Oh, il va tomber lui. Il va tomber. Non, je ne veux pas. Attention. Putain. Ouah. Attendez, un tronc d'arbre a réussi à me faire peur là. C'est quoi ce bordel? Ok. Ah putain, mais. Enfoiré de tronc d'arbre quoi! Enfoiré de tronc d'arbre! Non, ça va pas se passer comme ça entre nous deux. Hein. Bon, alors. Ce que je vais faire toi, c'est que je vais te contourner. Hein. Je suis pas assez con pour mourir une deuxième fois. Hé hé! T'es deg, hein? Et là, tu tombes pas, espèce d'enfoiré! Là, je passe à côté de toi et tu tombes pas. Putain! Il faut vraiment que j'arrête d'appuyer sur Shift. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas d'appuyer. Mon esprit me dit que je cours plus vite en appuyant sur Shift, mais pas du tout. Alors, voilà, le chemin est par là. Voilà, voilà. Donc normalement, avec un peu de chance, on va pouvoir
passer. Ah, j'ai tellement de chance dans les jeux. J'en ai tellement. Ok, donc on ne peut pas passer. Je suis dégoûté. Attendez, il y a un truc rouge là. Non, c'est quoi ça? Un seau? C'est un seau. Oh, 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 eh, calmez-vous, calmez-vous, c'est juste un seau, ok? Oui, j'ai faim, je mange la pomme. Je suis vraiment con, je crois que je vais mourir empoisonné là. Pourquoi j'ai... Je vais mourir. Je vais mourir. Qui est plus con que moi? Qui sur cette planète est plus con que moi? Règle numéro 1 dans les jeux, ne pas manger de pommes qui traînent à terre dans une forêt hantée. Calmez-vous, calmez-vous, je vais enlever ce seau, mais calmez-vous. Are you hungry? Eat the apple. No thanks. I want no to die. On va essayer d'aller par ici. Quelle idée de manger une pomme, putain, mais donne-la Blanche-Neige ta pomme. C'est quoi ça? Oh, you need... Ok, je n'ai pas encore tout ce qu'il faut, d'accord. Ok, j'ai pas tout ce qu'il faut, non mais... On va aller dans leur sens, hein. Y a la forêt qui grogne, on dirait qu'elle est pas très contente. Je sais pas ce que j'ai fait, ça doit sûrement être la pomme. Mais non, Toshi, on est déjà venu ici. Je suis perdu. Ça doit faire 10 minutes que je ne parle pas, que je cherche. Je couperai sûrement ça, hein, vous ne le verrez bien sûr pas. Et ça fait 10 minutes en fait que je marche. Et que j'explore en fait cette magnifique forêt. J'ai appris beaucoup de choses sur cette forêt. J'ai appris énormément de choses. Elle grogne quand elle n'est pas contente. Mais je suis perdu, c'est le cas de le dire. Donc on se retrouve tout de suite, une fois que j'aurai trouvé le problème à notre petite randonnée. Allez, à tout de suite. Toujours égaré, toujours paumé, toujours perdu. Je vais trouver où faut aller, ne vous inquiétez surtout pas, ok? Je viens de refaire toute la map là en fait. Bon écoutez, comme je suis vraiment désespéré et que je suis suicidaire, on va remanger la pomme. Aïe. Ce qui vient de se passer est absolument épique. Épique. Je n'ai jamais été en fait... Oui, je sais que tu es là, c'est bon, me refais plus le coup, j'ai compris. En fait, les amis, ce qui vient de se passer, je vais vous raconter parce que c'est vraiment extraordinaire, en fait. J'étais bloqué à tourner en rond, à aller sur Internet, car je ne comprenais pas. Et en fait, tout simplement, comment dire... Quand j'ai lancé le jeu donc pour faire la deuxième partie, donc celle-ci, il n'y avait pas... le jeu n'avait pas sauvegardé en fait pile poil où je m'étais arrêté dans la partie 1. Donc en fait, il me manquait un bout de... Un membre d'humain là, de truc pour passer. Et donc voilà, j'ai été le chercher, mais je ne savais pas, je croyais que je l'avais, donc je ne savais pas. C'était assez chiant. Et là, je suis vraiment très content d'être débloqué. Donc écoutez, donc le seau, je sais qu'il y a une pomme, c'est mort. Donc écoutez, on va essayer ce passage qui était bloqué jusqu'à maintenant. Sûrement que on aura un peu de chance. Oh, oui c'est bon. C'est bon les amis, on est débloqué. Après 2 heures, on est débloqué. Après 2 heures, on est débloqué. Non mais je vous jure, ça fait péter un câble. Je vous jure que j'étais vraiment... Oh, alors attends, parce que maintenant faut faire gaffe, parce que je ne connais pas, je ne sais pas où je mets les pieds là. Wow, pourquoi l'écran est devenu tout noir d'un coup? Non. Je sais pas ce qui vient de se passer. Oh là 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 là, mais on s'enfonce où là? Oh là là, non, pas encore de l'eau. Oh putain. Vous voyez ce que je vois là? On est dans les marécages. Je vois un truc rouge là-bas. On va y aller. Je pense. En fait, je sens qu'il y a un truc sous l'eau. C'est obligé. Il y a un truc sous l'eau là qui nous.
qui nous observe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok, il est là-bas le truc, on va y aller les gars, on va y aller. Ok, bon bah on va pas y aller. On ne va pas suivre la lumière rouge, vous êtes d'accord? On va pas suivre la lumière rouge. Il y a un truc qui nous suit, j'ai entendu des bruits de pas. Maman. Je vois le truc rouge arriver. Mais j'y serai avant. Allez, mais putain, mais prends-le ton putain de boudos là. Mais c'est quoi ça? Pourquoi il a pas pris le boudos? J'étais devant. Il a pas pris le boudos. Le boudos, ça veut un peu rien dire ça. Le boudos. Un boudos. Si, ça veut dire quelque chose en fait. Bon écoutez, on va laisser la lumière rouge passer. Troisième essai. On va laisser la lumière rouge faire son chemin. Hein, on va pas la contrarier. Ok, et dès qu'elle va à gauche, on trace. Vous êtes d'accord? Je pense que ça sera la bonne technique, c'est parti. Ok, ce n'est pas la bonne technique. Alors, quatrième essai. Vous devez me prendre pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, là. Je suis sûr que derrière vos écrans, vous avez trouvé comment il fallait choper cette espèce d'os. Je n'ai toujours pas trouvé. Je suis lent. Oui, je suis très lent. Je sais pas, en fait, faut peut-être tracer, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Allez, tu es là, tu n'es pas loin. Tu n'es vraiment pas loin. Mais non! Mais maman, pourquoi il est méchant avec moi? Et si on se cachait? Hein? Et si on se cachait? Je pense pas qu'elle nous ait vu là. On va se planquer. Oh putain! Elle arrive sur moi. Non. Oh là là, mais elle va vite, hein. Oh, tu vas un peu vite, toi. Putain, je vais crever, les gars. J'en suis sûr et certain que je vais remourir, là. Ouais! T'es deg! Salope! Salope! Maintenant, je vais essayer de m'échapper tout en finesse, tout en douceur, tout en nageant, tout en camon. On dirait qu'on l'a battu. On l'a eu. Et ben voilà. Au bout du 20e. Au bout d'une vingtaine de. Coucou monsieur le tonneau. Bon alors. Tu roules? Oh, hey. Somewhere passage open. Quelque part, un passage s'est ouvert. Pour ceux qui ne comprennent pas. Et je pense savoir. Je pense savoir le chemin qui s'est ouvert. Et oui, c'est celui-ci, les amis. C'est celui-ci, je pense. De toute façon, il n'y a que ce chemin qui est resté bloqué jusqu'à maintenant. Donc, à mon avis, c'est par là qu'on doit aller. On verra. J'espère qu'il n'y a rien qui va me sauter à la gueule. Ce serait quand même dommage. Ok, donc c'est bien par là. On n'a pas le message qui nous dit de retourner en arrière. Et on va s'arrêter là pour la partie 2. Ah, oh, je suis méchant. Bon, ok. Je vais continuer au moins une minute avec vous. Une minute, pas plus. 60 secondes. J'aime pas ça. Il y a une étoile là-bas, vous avez vu? C'est joli, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc à terre. Un Teddy. Ok. Salut, Ted. Oh, t'as le nez bleu, toi. Ok. Bon, bah, écoutons, on suit le chemin. Il se passe pas grand-chose pour l'instant. Il y a juste un Teddy perdu là, je ne sais pas ce qui... Ah bah, te revoilà toi. Attends, comment t'as fait pour aller aussi vite? Tu peux grimper aux arbres. Fais gaffe, hein. Ouh là là, ça sent le Teddy hanté là. Putain, le Teddy a été possédé. Ouh là, je le sens pas. Je le sens pas, cette histoire. En plus, on dirait qu'il fait de plus en plus... On dirait qu'il fait de plus en plus sombre. J'aurais pas dû continuer, en fait j'aurais dû vraiment m'arrêter. Quand j'ai dit que j'allais arrêter cette partie 2. Pourquoi je continue? Je suis vraiment débile. Non. Bon, allez, on va prendre ça. Hein. On n'est plus à une minute près. Comment je pouvais savoir qu'elle allait me tuer?
Écoutez les amis, bon bah, c'est un beau moment pour s'arrêter, je pense. J'espère que cette partie 2 vous aura plu. Je pense qu'elle est beaucoup plus intense que la première. Ce jeu est vraiment génial, j'adore. Mis à part le fait que j'ai été bloqué pour une connerie de sauvegarde, mais écoutez, c'est pas grave. J'adore vraiment, j'espère que vous aussi vous appréciez ce let's play. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour la suite, donc la partie 3 de The Cursed Forest. Ciao.